Donc moi je m'appelle Yazid, je suis délégué général de l'association Génération Palestine. Génération Palestine qui est l'association organisatrice de cette soirée ce soir à la Péniche. C'est une association de jeunes d'Europe issus de milieux culturels et sociaux des plus variés, ayant participé à différents camps d'été en Palestine depuis maintenant plus de 4 ans. Cette soirée ce soir vise à soutenir le 5e camp d'été qui aura lieu d'ici quelques semaines et qui verra donc la présence de plus de 120 jeunes européens en Palestine avec pour objectif de découvrir et comprendre la réalité sur le terrain en dépassant la guerre des images, la guerre des mots et la guerre des slogans, malheureusement bien trop souvent entretenus dans les médias ici en France et qui font que malgré une surmédiatisation, on a toujours un petit peu du mal à comprendre ce qui se passe réellement dans cette région. Donc cette soirée ce soir a pour objectif de permettre à ces jeunes de se rendre sur place auprès de nos partenaires des deux côtés du mur afin de se faire leur propre opinion et de se faire les témoins et les porte-parole de cette situation au retour auprès de la jeunesse de France dans les quartiers, les universités et d'une manière plus large en Europe. De certains, vu que ça montre que la soirée a quand même eu pas mal de succès, donc on a fait ça le comble. Je pense que voilà, c'était une belle prestation artistique de Gaza Team du MAP et de Swad Massi, et ça a permis aussi de faire passer un message politique par le biais de la musique, mais également entre les interventions musicales de la part des militants pour poser les bases justement voilà d'une première étape vers la suite de la mobilisation. Donc voilà, pari réussi pour nous ce soir, aussi bien financièrement pour le projet que politiquement, puisque les gens voilà sont prêts à continuer à nous suivre, à nous revoir par la suite. Voilà.